Bien, salutations tout le monde, Sen27, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Atomic Hearts. Donc, pour rassembler le petit robot qui s'appelle Claire, qui est juste en dessous. Dans le précédent épisode, nous avons. Oula, petit lag. Nous avons récupéré du coup la jambe. Donc maintenant, on va aller lui mettre et on ira. Ralentissement encore. On va aller chercher son bras. Et ce qu'il y a après à récupérer. Sa tête aussi. Voilà ta jambe, auto-répare-toi. Pratique ça. Voilà, tu pourras vendre tes photos de Yep. Il te manque plus qu'une main pour vendre tes Yep à 50 balles. Allez, maintenant, on va récupérer sa main. Ou autre chose. Putain, par contre, là, les ralentissements que je me chope, c'est fou. Alors. Y a rien à cet étage, donc si, là-bas. Allez, on va faire l'étage, cet étage-là. Nouveau scanner. Module, membre, bras droit, détecté. Emplacement, étage Vavilov. Transmission erratique. Données incomplètes. Oh, c'est quoi le problème? Pourquoi on peut pas localiser le module ce coup-ci? Je crains de ne pouvoir vous aider. Il y a comme des interférences à cet étage. Source possible de ces interférences, blindage électromagnétique ou présence d'un objet allongé de grande taille. Un objet allongé de grande taille? Bizarre ça. Oh merde, c'est quoi ça? Je... Alors attendez. Tac, donc là... Un cran. Il faut que je mette lui. Ouais. Hop. Voilà, comme ça. Lui. Donc lui. Hop. Attendez. Voilà, comme ça. Je peux pas le déplacer. Il faudrait que j'arrive à le mettre avec lui. Bon. C'est parti pour se faire enculer par, par eux. Allez. Lent. Ah, vas-y, viens. Il y a un gros machin ici. Et plein de petits aussi. Putain de merde, je crois pas. De guêpes préparant. Ah non 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 non. Je répare rien du tout. Va te faire enculer. C'est bon, y a pas besoin de réparer. Arrêtez-vous, putain, jamais vous pétez, hein. Bon. Mais c'est pas ça que je veux. Putain, c'est encore blindé là-bas. Et chier. Et chier. Contre de souvenirs, on peut aller les choper en traître. On va déjà spammer X. Et y'a l'autre derrière. Okay. Bon, y'avait un troisième encore, mais. J'irai pas. Impeccable. Ouvrez l'œil. Hein. Alors. Bon.
C'est quoi ça? Oh, il est bizarre qu'il soit de nouveau là. Lui. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Voilà. Allez, du coup. Attendez. C'est quoi? Un jeu pour les gosses? C'est une clé casse-tête. Super. Et ça sert à quoi? Je crois qu'elle active une sorte de processus. Et bon, là, du coup, je dois bouger, moi, ou... parce que je peux rien faire. Hein. Aucune touche. J'ai aucune touche qui me permet de bouger quoi que ce soit. Ouais, d'accord, mais je peux rien bouger moi. Toutes les touches que j'appuie, il se passe rien. Attendez. Ah, ok, c'est bon. Oh, taras. Ok, c'est un snake. Putain. Ouais, mais avant, je jouais sur 3-3-10, quoi, mais là, maintenant. SB. Vas-y, ça va me gaver. Le plus classique, le serpent qui se bouffe la queue. C'est le problème aussi du jeu à l'époque. On s'auto-bouffait la queue. Oh, attends. Je suis obligé que je joue avec les flèches là. L'ancienne. Ah, mes couilles! Putain de jeu de con! Oh, ta race, ta mère! Oh, ta putain de grand-mère! Oh, va chier le jeu! Oh, mais ta race, vas-y! Putain de jeu de connard avec ton gameplay mou du genou! Putain. Vas-y, là, qu'en plus du truc. Tiens, vas-y, ta mère. Oh. Ça met tellement de temps aussi à ce. Putain. T'as plus 10 minutes avant. Oh là là, quel enfer. Ouais, c'est cuit, hein. Je peux tourner longtemps comme ça. J'arriverai pas. Ouais, faut qu'il bouge. Et ouais, bah, c'est cuit, le gameplay il est tellement nul à Yesh que... Putain de ta mère. Oh là 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 là, c'est... Putain, ça fout la... Oh, la haine. Oh, mais, mais en plus ça lag à moitié et tout, quoi, c'est... Oh non non, c'est quel enfer, quel enfer. Chut. J'ai pas assez anticipé le bouton comme d'hab, hein, parce qu'il faut vraiment appuyer mais longtemps avant, mais vous imaginez même pas à quel point. Anticiper le truc tant que le perso il... Horrible. Bordel Charles, c'est ça le processus que je viens d'activer? Mais où? Oh, dites, qu'est-ce que vous foutez, bon sang? L'enfer. Espèce de saloperie métallique! Tu m'as flanqué une de ces trouilles! C'était un cheveu. Bon, enfin. J'ai le bras. On dirait que c'est le bon. Plus qu'à trouver le reste. T'as la tête à l'envers ou quoi? Bon. Reste un enculé si
je dis pas de bêtises. Il est où? Il y en a deux. Il y en a un là-bas. Ouais. Putain. Ok. Hein? C'est une blague ou? Putain, recharge là, t'as 4, merde. Et encule-le, lui. Tu peux bien. Putain, je me fais encore emmerder par lui. Une guêpe. Il y a un là-bas et il y a la guêpe, elle est là. Putain, je suis câblot sur la machine. Là, tu vas crever. Encore une guêpe. Non, pas une guêpe encore. Ah ouf. Pour toi. Il est où? Il est où? Ok. Ah. Alors, tiens encore à préciser. Vous n'avez pas vu les anciennes vidéos. Jouons en difficulté max en apocalypse. Voilà, donc c'est normal que je suis en stress dès qu'il y a 4 ennemis. Je me fais découper. À chaque fois. Donc, voilà. Allez, là on a fini cette zone de merde. Et on va pouvoir enchaîner. Quand l'idée des connecteurs bêta est tombée à l'eau, ils ont créé les neuroconnecteurs avec droit discrétionnaire. J'en ai bien peur. Les luttes de pouvoir au Kremlin ne prendront jamais fin. Les élites exigeaient le contrôle même au sein de Collective. Bah, c'est des gars du gouvernement. On est en URSS. En effet. Mais Collective a été conçu pour tous les habitants de la Terre. Et l'URSS n'est pas le seul pays au monde. On peut pas laisser ces sales capitalistes accéder à Collective. Et pourquoi pas, Major ? Collective a été conçu pour unir les humains du monde entier à égalité dans un cadre où les robots feront tout pour eux. Chacun aura exactement les mêmes opportunités. M'étonnerait que les capitalistes apprécient. Malheureusement, ceux qui détiennent le pouvoir ne verront jamais l'égalité comme un résultat désirable. C'est la raison pour laquelle le docteur Sechenov a ajouté des droits discrétionnaires à Collective. Je vois. Merci de sélectionner la procédure des... Ouais, machine de... Psychopathe. 200 et quelques. C'est combien qu'il me faut? 242, j'ai 239. Le jeu, il m'en veut jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il m'en veut. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, comment ça se fait que j'ai ça devant ma porte? J'ai dû prendre les deux qui me manquaient, j'imagine. Oui, bien plus même. On va faire l'amélioration. Comment ça? Élément indisponible.
Comment ça? J'avais pas ça, soi-disant. Oh putain de merde. Tu fais niquer. Bon, c'est pas grave. Autorisation. Ouais. J'ai merdé. Bah, l'AK, je vais devoir le ranger, hein, malheureusement. J'ai plus trop de. De mun. D'ailleurs, j'en ai plus du tout. Heureusement qu'ils mongolisent là maintenant. Par contre, il y en a encore un autre là-bas en face. Il faut que je le fasse venir à moi. Allez, viens. Viens. Regarde, tu m'as vu. Allez, moustachu. Ça va. Ah, t'es très bien là, bouge pas. Tirer son rayon là. Chut. Incroyable. Il y a encore un autre là-bas. Il y en a encore un autre là-bas. T'es mal à bête là-bas. Pas d'où ils sortent, mais ils sortent là. Putain de robot à moustache de merde. Putain. Sauvegarde en cours. Ouais, sauvegarde en cours. Alors, que choisissez-vous, Major? La tranquillité, c'est possible. Parce que j'en ai bien besoin. Bon. On va mettre des munes. Là. Soin, ça va, j'ai ce qu'il faut. Voilà, tiens. Faut que je me crafte à la limite un petit pistolet, un de ces quatre. Les munes que j'ai. Comme je suis en galère. Là, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Zana. Charge d'énergie, ok. Redonne en santé. Et l'esquive. C'est les grosses capsules, les petites et les moyennes. Et les badakas, les balles d'AK-47, laissez tomber. Et les ressources que ça me prend. Pas la peine de crafter des munes. Cartouches incendiaires et tout, je sais pas comment on les équipe sur l'arme alors que j'ai bien le module pour les mettre. À la con. Vas-y, préparer. Pas lui, non. On va pas essayer. Oh, le ralentisme. J'ai même plus où il est le robot, il est là. Portez ça aussi. Allez, mais... Oh là là. T'es content? Allez, on va lui remettre la patoune. Bon, le premier bras, ça va. Presque complète là. Presque. Et moi je suis presque mort avec mes toutes mes roses.
blague. C'était quoi cette zone? Je suis déjà allé ici. Oui. Ouais, il s'est réouvert. L'étage... Alors, un ici, un là-bas. On va aller ici. Avec les drifters. Nouveau scanner. Module membre bras gauche. Détecté. Emplacement étage Pavlov. Dis donc, tu pourrais être plus précise. Oh, mais c'est affreux. Il a été plongé dans quelque chose de chaud et de gluant. Oh, du polymère rouge. Quelle horreur. Ça veut dire quoi, ça? Je suis la vraie, camarade. C'est la seule information dont je dispose. J'espérais pouvoir vous aider. Non, mais ça va. Marre ce jeu, putain, il m'a... Il m'a... Tu peux pas bouger 30 secondes sans te faire agresser par le moindre truc. C'est bon. C'est bon, vous me laissez tranquille. Je veux juste de la tranquillité. Alors, que choisissez-vous, Major? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je dois avoir assez pour acheter ma compi. Personnage. Voilà. Impeccable. Parcours. Je m'en tape. Votre excellence. Vos excellentes tireurs d'élite, ça, ça peut être bien. Et je suis obligé de passer par cette compli qui m'intéresse pas. Donc voilà, pas trop le choix. Découper là, j'ai pas envie de vous ranimer. Ah, génial. Encore un qui va me démonter la gueule. Ça va être cool. Censé être stunt avec mon truc électrique. Ah bah c'est génial, c'est la fête des moustachus. Eh, regardez-moi ces putains de moustachus SM, hein. Il y en a partout. C'est génial. On va les sauvegarder parce que je suis déjà à bout mentalement. Alors on va regarder combien, ça fait 23 minutes, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je suis sur cette vidéo. Au moins que le jeu me met à bout. Bon, allez. On va revenir, ça va être rigolo quand la porte ça sera ouverte là-bas. Une serrure, ça alors, si je m'attendais. Alors. Fais-moi cette merde aussi. On va y aller. Sauvegarde en cours. Alors. Où je me jette dans ce truc de merde. Allons-y. Jetons les deux pieds en avant. Au moins c'est fait. Bien. Bah c'est bon, j'ai compris. J'ai besoin de vous, toi. Puisque bon, au bout d'un moment, tu baignes tellement pas sur alors, les ressources que. Choisissez-vous, Major. Arme ? T'as pas trop le choix, tu prends ce qui te reste.
Ce que t'as, bah, c'est pas fou des fois. Et fermez-moi cette porte. Merci. Maintenant, faites-moi venir les trucs que vous m'enculiez la gueule. Mystère. Attention, c'est un spécimen qu'on appelle du polydière. C'est extrêmement dangereux. Ouais, j'ai déjà vu cette saloperie. Et bien sûr, le bras arraché baigne dedans. Ce serait trop demandé qu'il traîne bêtement dans un coin. Oula, oula, oula. À mon avis, lui, le feu. Le feu, il aime pas, je pense, lui. Mais bon. Vu que j'arrive pas à équiper mes armes de. Le truc du machin. J'ai où ? Mon avis, que le feu qui fait quelque chose. Ah, va te faire enculer. Et laisse-moi respirer aussi. À l'épée. Putain, l'enculé de ça, merde. Allez. Oh là là. Pire que Dark Souls. C'est une deuxième. Et lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ah putain. T'es où? Pas. Allez, vas-y. Je vais me faire niquer. Allez. Toujours là. Non, c'était. Oh, va te faire enculer. Mais va bien te faire enculer. Bien failli me buter. Espérons que le prochain canister va pas vomir un de ses petits copains. D'après mes données, le deuxième canister est correctement scellé. À propos de cette poupée, Vladena. Je comprends que tes jouets ne sont pas pour les jeunes enfants, mais ce serait dommage de les jeter, et j'avoue que ça me fait un peu bizarre de les conserver. Bref, un jeune chien a été trouvé à l'entrée du site il y a 15 jours, et il avait une poupée dans la gueule. Peut-être qu'il s'était perdu ou qu'il avait été abandonné. Il avait l'air en bonne santé, mais il refusait de lâcher ce jouet. On a pensé en faire un chien de garde, mais il était trop méchant. Alors on l'a donné au gars Pavlov. Ils adorent les chiens, et il sera bien traité. Et comme je savais pas quoi faire de la poupée, j'ai pensé la donner à ton musée. Quand je la regarde, je me sens triste. J'ai pas vu. Je suis arrivé. Bon, je viens tout juste de me réveiller et j'ai une idée géniale pour une exposition. Enfin, une expérience plutôt. Enfin bref, les visiteurs entrent dans une pièce noire. Ils prennent un mouchard et un casque, et ils entendent quelque chose comme Lisa Tereshkova. Imaginez-vous dans un champ de verdure, entouré d'une forêt infinie,
qui s'étend jusqu'à l'horizon. Vous entendez les bruissements d'un ruisseau, le chant des oiseaux et les aboiements de nombreux chiots. Fin de l'enregistrement. Et pendant qu'une voix de femme décrit ce paysage, plusieurs guêpes en créent une image holographique. À quoi bon, dis-tu ? À vrai dire, je ne sais pas trop. Mais c'est génial, non ? Il faudra juste que j'explique pourquoi je me suis réveillée à côté de ce Sérachkova. Je suis la femme parfaite, présente, en paix. Un ruisseau bondissant, une vaste forêt et un ciel bleu infini, en harmonie avec ma déesse intérieure. Oh, éteins-toi ! Éteins-toi ! Mettez-vous à l'aise. Souhaitez-vous que je vous parle des baleines ? Oh, j'en vois, c'est l'été. Prenez votre temps, merci. Pas de problème. Prenez votre temps. Fait numéro 1. Nous sommes tous issus de la mer. Mais les baleines, elles, ont été assez intelligentes pour y retourner. Il y a 50 millions d'années, elles étaient des mammifères terrestres. Mais elles ont préféré la mer. Admirable, non ? Fait numéro 2. La langue d'une baleine grise pèse plus de 4 tonnes, soit le poids d'un éléphant adulte. Et jusqu'à 50 hommes peuvent se tenir dessus. Vous imaginez ? Fait numéro 3. Les baleines captent les sons, non pas avec leur tympan, mais avec leur mâchoire inférieure. Elles perçoivent les vibrations dans l'eau. Extraordinaire, non ? Fait numéro 4. À part nous, les baleines sont les seuls mammifères capables de chanter. Le chant d'une baleine peut durer jusqu'à 40 minutes et changer de motif. Fait numéro 5. Les baleines peuvent plonger jusqu'à 3,5 km de profondeur. Là, elles pleurent des larmes de graisse pour protéger leurs yeux du sel et de la pression. Fabuleux ! Fait numéro 6. Les baleines ont une très mauvaise vue et n'ont ni goût ni odorat. Enfin, la nourriture n'a aucun goût pour elles. Mais nul doute qu'elles ont un goût très sûr pour tout le reste. Mais assez parlé des baleines pour aujourd'hui. Je pourrais continuer, bien sûr, mais vous avez l'air très occupé. Merci pour ces infos, c'est sympa. Pas de problème. Et si vous avez besoin de moi, je reste ici jusqu'à la fermeture. Oh, j'adore cette vue. Ouais, allez, ciao. Ah ben, on en apprend tous les jours, hein, sur les baleines. Intéressant. Allez, on va passer par là. On va repasser devant tous les moustachus, j'imagine. Avez-vous réussi à entrer dans le VDNH ? La commission gouvernementale va arriver, là ! Je suis à l'intérieur. Je cherche un moyen de déclencher le mode d'alerte. Ça n'a pas été tout seul et j'ai eu plein de problèmes. D'autres questions ? Alors cherchez plus vite ! Ne décevez pas le docteur une fois de plus ! Pauvre pomme. Pauvre con, tu peux le dire, pauvre con. Je suis à combien là ? 47, je peux pas me faire péter un truc de merde là. Ça, je l'ai pas. Vous êtes entraîné ? Le jeu m'a mis à bout. Vous êtes entraîné à faire un roulé boulet. Ah vas-y, nique. C'est bon, va gaver le jeu là, j'arrive plus à lire, c'est bon. Ok. Ok. Bon. Sauvegarde en cours. Ouais, sauvegarde en cours. Allez. On va se régaler avec les moustachus. Donc on y est. On va tirer le quartier. Hein. Je me chie dessus donc. Ouais, je me prends des balles et tout. Putain. Ah désolé, il faut que je recharge.
lent qui est comme il faut. En même temps, il y en a tellement. Je me fais, même là, je me fais défoncer. Et tu demandes à recharger, il te recharge 3 balles sur 4, il t'en laisse toujours une. Il te met pas. Encore un moustache là-bas. Pour lui, lui, par contre, je sais pas ce qu'il fout tout au fond là. Et c'est une save. Et. Très bien. Merde, ramène-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Celui. La musique qui s'énerve, mais bon, je les ai eu là, vos types. Là. Je les ai eu, vos robots. T'en es où? Là où j'avais vu les moustaches. Et à d'autres endroits. Il y a un type à qui je peux parler. Ah non, une meuf. Crac, paf, clavicule, casse. Ah non, c'était. Mec. Ok. Vous faites quoi là? Casse, crac, tord, épine dorsale. Ah d'accord. Je dirais à la guide que j'en ai retrouvé un. Un étudiant en médecine, apparemment. Une étudiante, ouais. Et. Je sais pas comment. C'est quoi ça? Une tontouse. Une infirmière, je sais pas. Tu sais pas, avec les vrais connecteurs bêta. Comme collectif était à l'origine conçu sans droit discrétionnaire, tous ses partisans étaient censés être égaux. Je sais, on en a déjà parlé. Alors pourquoi il leur fallait des appareils bêta? Afin de sécuriser collectif contre les menaces provenant de ceux qui voulaient en prendre le contrôle. Impossible, on est tous égaux dans collectif. Merde, le connecteur alpha. En effet, des intrus ou une force d'opposition pourraient tenter de s'emparer du connecteur alpha. Cela pourrait causer des pertes humaines, ce qui serait inacceptable. Et en quoi les connecteurs bêta empêcheraient ce genre de truc? Ils n'ont pas conféré de droits discrétionnaires à leurs détenteurs, mais ils leur ont permis d'être présents au sein de collectifs, sans en faire partie. En d'autres termes, ils étaient pleinement autonomes, tout en ayant accès au réseau. Et alors? En gros, c'est ce qu'on a en ce moment. Vous n'avez qu'une perspective humaine sur la question. Comment ça, une perspective humaine? Oh putain! Alors le patron voulait donner des bacs bêta à des robots pour que personne d'autre puisse les contrôler? Le docteur Setchenov avait l'intention d'ordonner à ses jumelles loyales de garder le connecteur alpha. Tant qu'il était connecté au collectif, il pouvait les contrôler de n'importe où. Et personne d'autre ne pouvait leur donner d'ordre, car nul ne savait qu'elles existaient. Minute. Y a un truc que je pige pas. Ça serait possible de lancer collective avec tout le monde à égalité, puis de détruire le connecteur alpha? Certainement, mais cela amène une autre question. Qui pourrait vouloir cela? Le docteur Setchenov. En êtes-vous sûr, camarade major? Ben oui, enfin, je crois. Sauvegarde en cours. Je suis pas sûr. Bon, par contre, ouais, l'autre, je sais pas.
Et vous saviez, vous savez plutôt, c'est quoi, c'est un mec, une meuf, une... On ne sait pas ce que c'était. C'est macabre. Ah, encore lui, hein. Faites pas ce bruit en plus, là, de mousse. Oh le... Wouah, le ralentissement de ouf. Allez, tiens, t'as tes deux bras, moins plus que la tête. Voilà le bras gauche. Répare-toi toute seule maintenant. Voilà. Et presque au complète. Et presque. Presque. Juste un truc important. Oh, le ralentissement de l'espace. On laisse tomber, quoi. Dernier étage pour la tête. Est-ce qu'on va le faire maintenant ou pas? Analyse de la zone d'exposition. Module tête détecté. Envoie des coordonnées. Évaluation d'intégrité structurelle. Putain, ce qui fait sombre. J'aime pas ça du tout. Pas intérêt que je me fasse attaquer encore. C'est vrai que je me fasse attaquer, mais... Un truc que j'ai bien fait, c'est en découpant ces putains d'humains. Allez. Allez, allez, allez. Normal. On reste beaucoup. C'est bon, je les ai toutes. Du coup, avec tout ce qu'on a buté, là, hop, j'ai fait de les découper les premiers que j'avais vus. Oh, lourd. Ma crosse, lance-roquette. Que ce soit pas trop long pour récupérer cette tête.
J'espère que ça sera pas chiant. J'espère en tout cas. On va bien voir. Putain de méchoui. Bah où est-ce qu'on sort de ce bordel? Sous terre? Ouais, je regarderai bien le temps. Oula. Je regardais combien on est en vidéo. Alors, 46 minutes, ça va. Merci de sélectionner la procédure des. Hop, hop. 106. Hop, on fait cette amélioration. Celle-là. Il m'en reste. Ouais. Alors, on est pas mal. On est pas mal. Allez. On va aller se faire la tête. Non. Que je me fasse pas dégommer. Trop non plus. Alors attends. Ouais, j'ai l'inventaire, il est plein d'axes. On va y avoir un aura. Les trucs inutiles. En tout cas, que j'ai pas besoin. Seulement sur moi. Voilà. Puis. Câble. On va regarder. Il y a que d'autres. Fais chier! Où je suis censé trouver cette foutue tête? Vous devez vous rendre dans la salle Icar qui se trouve au premier étage. Et où est l'entrée? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Je cafouille quelque peu depuis le dysfonctionnement. Sans deck, Sherlock. N'avez-vous pensé à faire démarrer le Beluga? À quoi ça peut bien nous servir? Aucune idée, ce n'était qu'une suggestion. Bah, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas comme si on avait le choix. Tereshkova, où est la salle du générateur ici? Tout en haut. Je vois. Génial, on a été coupé. Si on ne commence à vous pas. Ah bah génial. On s'amuse là. T'as pas intérêt à m'attaquer toi. Dans où les moustachus? Putain, toi, tu me casses les burnes, toi. Ça va, il s'attend pas trop. Comparaison. Ah, et l'autre qui m'attaque aussi. Putain.
Ta race. Bon. Ah, la tête, bon. Putain. Avec la caméra. Impression que j'ai déjà eu tout le quartier. Oui, vous vouliez quelque chose. Pas vraiment, non. Mais vous continuez à perdre votre temps à discuter avec un mort. Je déteste cet état d'esprit pathétique et je ne souhaite pas prolonger cette souffrance mentale que causent les vaines discussions. La souffrance mentale des vaines discussions. Hé, hey Charles, dites, comment il sait qu'on s'est parlé, vous et moi? Quel humour, camarade major, quelle finesse d'esprit! Je me retrouve dans une situation inconfortable, faisant un peu penser à l'attente avant un départ pour un long voyage qu'on est obligé d'entreprendre, bien qu'on n'en ait pas envie. Un peu glauque comme réflexion philosophique. J'ai rien à dire là-dessus. Oui, je vois. Caguerre au bout. Il est en haut. M'enculé lui aussi. Tous les autres. Le Beluga est le submersible polyvalent le plus rapide du monde. Il peut atteindre 78 km par heure en vitesse de pointe et effectuer des missions civiles et militaires jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Ces dernières années, nous avons appris plus de choses sur les fonds marins qu'au cours du siècle précédent. Personnellement, je pense qu'on ferait mieux d'explorer les fonds marins plutôt que l'espace. Si vous le dites. Et pourquoi donc? Parce qu'il vaut mieux connaître son jardin avant d'aller voir chez les autres. Exactement. Je vais en apprendre plus sur... comment on fait déjà ça? Pivoter. Je sais plus. Comment on fait Ok, avec la gâchette. Ah, tac. Ah.